Alors allons-y pour le chapitre 16, donc le sacre, alors qu'ils se sont mis en tête de aller taper un peu Vitalis après avoir éliminé, j'en doute, mais en tout cas mis à mal Nicolas en éteignant les flammes et en lui lançant des rats dessus. Et Hugo nous a rejoint. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il a ramené Hugo pour zigouiller sa sœur. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de faire passer le seuil? Parce que là l'idée c'est d'être passer le seuil. Bon, allez. De leur faire, de lui faire passer le seuil pour que Vitalis puisse en bénéficier. Elle est triste, Melly. Elle mais va mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen? C'est un peu bizarre. Mais bon, après c'est pour les besoins du scénario, mais c'est un peu chelou comme choix. Bon, bah, dans ce cas-là, on va aller voir là où ils sont et puis on va te faire tuer ta sœur, comme ça tu vas passer le seuil. Bon. Ok, donc là la roue est complète désormais. On va aller récupérer quelques petits trucs. Allons-y. Et merde! Qu'est-ce qui se passe? Mélie, ouais, faire ça. Calme-toi. Allez, vas-y. Ils ont pas fait exprès. On va être un peu plus discret. Pas le choix. On doit tenter la grand-porte. Mais il faudra faire attention. J'ai amélioré les trucs au max. Mélie, attends! Elle est en colère contre moi? Les cordes, en tout cas. Non. Elle est. En colère tout court. Mais laisse-lui un peu de temps, Hugo. Alors, qu'est-ce que je peux récupérer de beau? Ça, ok. Ça, ok. Très bien. Voilà, j'ai tous les potes avec moi, enfin sauf Arthur qui est mort, mais... D'ailleurs, finalement, Arthur, on l'a pas beaucoup exploité, c'était juste... Enfin, pas plus que les autres, il a pas de capacité particulière. Ah, sauf pour balancer sur Vitalis un moment, mais c'était vraiment très ponctuel. C'est possible. Pas spécialement marquant, en tout cas, de l'avoir comme compagnon. T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Vraiment des aveugles, même, quand même, un peu, hein, mais bon. Il va les voir. C'est sûrement leur casque qui les empêche de bien voir. On va dire. Hey! Arrêtez! Je vais l'aider. Restez là. La mauvaise idée, vous allez vous faire rétamer la tronche. Je connais la ville comme ça. Elle va les balader. Venez, on doit en profiter. On va en profiter, effectivement. Il est pour toi. Toi, t'es fini. Ah là, les solutions, ça va être cool parce qu'il va y avoir vraiment plusieurs résolutions entre le pouvoir d'Hugo, mes différents projectiles, lui qui peut un peu les cogner. C'est chouette. Oh, la musique de derrière est quand même assez ouf. Hein. Ça a bien changé depuis la dernière fois. Les cloches! La cathédrale, Amicia! Vitalis est là-bas, alors Mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Ok, par là, a priori, c'est la suite. Ou pas. L'important, c'est que le contact visiteur. Hey. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. À mon avis, oui, c'est les rats. Ici. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Regardez le sol. Ah d'accord, ok. Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'en dessous, il y a des rats. Fort bien. Ils sortiront pas tant qu'il y a de la lumière. Ouais, ouais, je sais, je sais. Il faut quand même que je sois avec à la lumière, non, il me semble, si j'ai bien capté. Un peu. Par contre, viens, Roderick. Tu peux m'attaquer, moi, ouais.
pas s'ils attaqueraient le porteur de... Voilà. Bien stylé son pouvoir Hugo quand même. C'est un peu un game changer. Ça, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je pensais peut-être que les rats sortiraient. En fait, non. Peut-être aller juste voir un truc par là. Parce que si je m'approche, ils me viennent nous buffer. J'ai lancé fouette jusqu'au sang avec. Ça doit être plein de bouts de chair. Ah. Ok. Alors attends, parce que si je vais par là, là il se passe quoi? Ah non, ok, c'est un chariot. Fort bien. J'ai à prendre. Je peux faire quoi? Je peux faire ça. 22 matériaux de chaque type, ben je prends aussi. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Bonne chose, ok. C'était quand même bien utile. Ok, donc là, comment je fais pour passer là? Je peux bien sûr les exploser ou bien... Je peux les chasser sur le côté comme ça. Ah, ils s'en foutent. Ah bon. Alors ça c'est étonnant, ils en ont rien à foutre. Ils veulent pas m'écouter. Ah bon. C'est pas de chance. Pas du tout comme je voulais, ok. Je viens de gâcher deux trucs, génial. Ok, ça passe. Des gardes, attention. Bizarre. Ok, je pensais pas que ça passerait comme ça. J'ai gâché un peu des... De l'odontisme a changé depuis l'arrivée du porteur. Il s'est peut-être trouvé un nouveau protégé. Oula, je me fais griller là. Oh merde. Oh merde, ils m'ont vu. Jusqu'à quand lui par contre? Faut pas attention à moi. Oula, par contre avec les boucliers je suis pas trop fan. Mais attends, d'où il me voit?
Oh merde. Ouf. Bah oui, évidemment. Mais j'arrive pas bien à savoir s'il y a effectivement des rats en dessous d'eux ou pas. J'ai l'impression que oui, mais... je suis pas sûr à 100%. Des gardes, attention. Vitalis n'a envoyé personne à sa recherche. Bizarre. Le capitaine a toujours été son protégé. Vitalis a changé depuis l'arrivée du porteur. Il s'est peut-être trouvé un nouveau protégé. Idéalement, peut-être qu'il faut que je flingue le... Non, putain. Bon. Ou pas? Non. Pourquoi est-ce que par contre il ressort pas? Je capte pas trop. Parce que cela en fait le truc c'est que... Par là, j'ai trouvé. Et vous avez trouvé qui les gars? Saloperie de pleutre. Ah merde. Allez, dégage. Occupe-toi de lui. Tu me le diras pas deux fois. Oh, quoi? Sérieux? Allez, vas-y vite. Toi, t'es fini. Ah non, dépêche-toi, vas-y. Merci. C'est pas si simple, hein, punaise. Je pensais qu'il encaisserait plus que ça. Ah, je suis trop loin là. Pas du tout, ok. Ok. Ah, il y a des rats là-bas que j'aurais pu éliminer. C'est un peu en mode bourrin, j'avoue. Je pourrais le faire de manière un peu plus subtile. Ouais, mais qui a vu qui, là? Il a explosé ou pas? Je sais pas. Attends, non, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai pas capté. Voilà, on bouge. Hein? C'est quoi ça? Chiant.
est un peu chiant lui là-haut avec son arc. Il dirait à me le faire. Ok, donc l'archer, il reste plus que lui. En gros, je crois. Ça sert à rien de continuer. Il n'y a plus personne ici. Yes. Oula, quoi? Sérieusement. Ok. T'es bien planqué lui. Bon, il va déjà se faire ces trucs-là. Ouais, assez pertinent. Allez, go. Bonne app. Quoi? Non, 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 les mecs, là-bas. Ok. Bon, vous me laissez tranquille. Je n'ai fait de mal à personne, ou presque. Je me demande juste s'ils peuvent me bouffer ou pas, en fait, si je suis porteur. Des outils, cool. Toi t'avais rien sur toi malheureusement, ok. Soit. C'est par là la suite a priori? Ou pas? Pas sûr. Est-ce que ça se trouve? Non. Ça aussi. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. J'ai plus grand chose à crafter, j'ai plus que trois trucs. Je sais pas si j'y arriverai d'ici la fin du jeu, et dans l'absolu c'est pas très important. Je peux passer comme ça. Oui, parce que vous êtes en train de le bouffer, c'est ça? Un peu d'alcool, t'avais? Bah écoute. Ok, on avance. Deux gardes, un chacun, on a deux. Mais c'est ça. Occupe-toi de lui. Tu vas me le payer. Attends. Bim. On y va. Moi aussi, je veux être fort comme ça. Bonhomme. Tu as une armée de rats. Par contre, est-ce que c'était vraiment la peine de lui mettre autant de... À ton signal. Dans la tronche. Tu veux le faire? Pas sûr. Je peux pas ici, non? Tu t'en charges, Roderick? D'accord. Wow. Allez, costaud. Passez. Allez, vite. Attention. Ils sont à nouveau deux ou ils sont plus? Ah non, ils sont un peu plus que deux, effectivement. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Bon, c'est bien parce que les IA sont pas trop casse-pieds au niveau de la détection aussi.
Il va où là? Ah, ça m'arrange pas que tu passes par là. Ah putain, on voit rien. Ah là, ça sent le décès. Non, non, je vais pas l'utiliser pour rien. Ce serait gâché parce que les autres m'ont vu aussi, de toute façon. Du coup, ça me ramène où? Je pense que le plus simple serait effectivement d'utiliser les rats. Les rats, ils veulent sortir. Ah, dégage par contre, Audrey, que tu me gênes. Pas qu'un peu. Quoi? Non, dégage. Ok, donc là-bas c'est un archer, c'est ça? J'ai l'impression. Non mais viens avec moi parce que sinon ils vont me bouffer. Ok, bien ouais-je. Ah cool. Alors, qu'est-ce que je peux récupérer? Je vais juste voir s'il n'y a pas du loot. Ouais, un instant les gars. C'est moi looter un peu. Et je vous rejoins. On vous a vu, ne vous inquiétez pas. Je fais juste un petit tour. Il y a toujours quand même les possibilités de début de partie pour dépasser la truc. Surmonter une épreuve, c'est cool. Ouais, ouais, je vous ai entendu, les gars. Doucement. Calmez-vous un peu. Nul besoin de s'exciter ainsi. Rien ici. Ouais, allez, alors je vous rejoins, c'est bon, j'ai fini de looter. Amicia, vous êtes vivant? Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale. D'accord, mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers. Cette maison donne de l'autre côté. Celle qui brûle, là? On ne peut pas rebrousser chemin. Partez, on vous retrouve de l'autre côté. Faites attention. Alors, go. La maison. Allez. Oh, c'est fermé. Je vais l'enfoncer. Ah, vas-y, fais. Saloperie. Tu vas voir. Les gardes qui arrivent. Roderick, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Alors, vous étiez caché. Ah merde. Ah merde. Ah ouais, mais non. Mais non, pas du tout. Mais attends. Ah, il avait une lampe lui aussi. Une torche, ok. Donc je pouvais pas le... Je vais l'enfoncer. Ah ben, il faut plus de ça. Aussi de ça. Tu vas voir. Les gardes qui arrivent. Roderick, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Non, c'est pour ça que je vais essayer. Ça va, voilà. Oh, c'est trop vite.
bien joué. Ça va, je crois. C'était plutôt efficace. Bah dis donc, les deux runes, rappelez-moi de pas vous énerver. Plutôt efficace. Cette fois, ça va marcher. J'espère, parce que bon, on va pas y passer la nuit non plus. Ah ok, ça a marché déjà. Bordel, tu parles d'un plan. Non, Amicia, on peut pas. On va brûler. Il ne t'arrivera rien, je te le promets. Éclaté, on peut y faire et éteindre. Voilà, un peu plus par contre. Hein. Allez, courage. Tu peux t'en charger. Ouais. Ok, merci, kid. Allez, faut qu'on se dépêche alors. Hugo, t'as pas de l'acquisition. T'es dur à cuire. Plus dur à cuire que moi. C'est vrai. Je mange. Casse-nous tout ça. Ça doit être la sortie. On va espérer, hein. On va espérer. Plutôt calme pour un jour de miracle. C'est pour toi. Toi, t'es fini. En plus, il était tout seul, donc là, il c'est tranquille. Pas. Tu peux me croire. Relativement nombreux désormais. On est juste récupéré nos affaires. Amicia, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je réfléchis. Il y en a d'autres là ou pas? Non, je n'en vois pas d'autres. Mais il y a des rats dans le coin ou pas? Ok. Efficace, pas cher. Oh merci. Merci. Mais de rien. Soyez bénis. Oui. Ouais, écoute, merci. On va essayer d'être bénis. Chance. Je sais pas si ça suffira. Oh merde. Pas de chance. Des archers. Trop dangereux. Les archers tirent à vue. Personne. On passera pas comme ça. La cathédrale. On est sur la bonne voie. Là-bas, la herse. C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Voilà, je peux rien faire, ok. Oui, ok, il y a des trucs là-bas. Voilà, je peux pas les avoir, je suis trop loin, ok. Par contre, il y a des trucs à aller chercher là-dedans. A priori. Je devrais pas. Pourquoi ? Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Roderick ? Quoi tu parles ? Cette ruelle. Non. J'en étais ah, sûr. C'est la ruelle Roderick, de son père, sûrement. Tu vas où ? Allons-y. C'est là où est mort son père, j'imagine, c'est ça ? C'est pas vrai. Roderick. Il reste plus rien. Ils ont brûlé ta maison ? C'était la forge de mon père. C'est là que j'ai grandi. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là. Et tes racines.
Ils ne pourront jamais te les prendre. Tu as raison. Je sais qui je suis. Allez. C'est déjà bien. C'est déjà un luxe. Je dois sauver votre mère. Tu vas voir. Maman, elle est gentille. On partira ensemble. Et on trouvera un autre château. Ça, ce serait bien. Ok, donc là, c'était juste un petit rappel, là, fort bien. Bon, et donc, il faut qu'on utilise ça. Le chariot. Roderick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Ouais, okay. Ça marche. Et lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. Fais ça. Cache-toi, Roderick. T'en fais pas pour moi, petit. À mon avis, il va y rester là. Des soldats! Des soldats devant nous! Amicia! Ils sont pour toi! Ah bah venez alors! Allez, viens! Oh merde! Ah, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas voir des deux côtés quoi. Alors bon, là je vais devoir me retaper toute la course du chariot là. Sérieux. Oh putain, et je dois me retaper ça aussi là. Oh, c'est chiant. Tu devrais pas. Pourquoi? Cet endroit. J'y retourne. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Roderick? Je sais pas si ça changera grand chose, honnêtement, en termes de. Ouais, ce qui est chiant, c'est qu'on voit pas des deux côtés, quoi. Et du coup, difficile de savoir où il en est, le. Non. Où il en est, le gamin, quoi. Enfin, où Roderick il en est en termes de. Tu vas où? Allons-y. Mais bon, je ferai un peu plus attention la prochaine fois. C'est pas vrai. Roderick. Il reste plus rien. Ils ont brûlé ta maison? C'était la forge de mon père. C'est là que j'ai grandi. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là. Et tes racines, ils ne pourront jamais te les prendre. Tu as raison. Je sais qui je suis. Allez. On y va et on essaie de pas se rater cette fois, ce serait bien. Maman, elle est gentille. Neuf pierres. On trouvera un autre château. Ça, ce serait bien. Il y en a en haut de part. Franchement, honnêtement, il y aurait moyen. Hein. Le chariot. Roderick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Et lâche ça, Alessia. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. Vas-y, active. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Roderick! T'en fais pas pour moi, petit! Ce qui est cool, c'est qu'ils en mettent pas qui arrivent avant d'arriver aux cartouches. Enfin, aux munitions. Des soldats! Des soldats devant nous! Amicia! Ils sont pour toi! Pour atteindre la herse.
pas les avoir de là, hein, j'aurais déjà essayé. Ils sont derrière. C'est là qu'il faut que je fasse gaffe du coup. T'as sérieux? Ah, t'es sérieux? Oh non! Allez, bim! Voilà, ok, c'est bon. Ça passe? Oh! Sérieusement, quoi? Oh, c'est chiant! Putain! Oh là, c'est un peu casse-couille, hein! Oh punaise, j'y étais, quoi! Franchement, je vais utiliser le somnium, ils auraient pu me le passer, hein. Ouais, là, je trouve ça un peu mouif. Un peu bâtard. C'est pas un jeu qui gagne à refaire 26 fois la même phase, c'est pas du tout un Die and Retry quoi, donc bon. Ouais, bon. Hein, tu, franchement. Tu devrais pas. Pourquoi? Ah, ça saoule. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, quoi. En plus, j'étais vraiment contre le chariot et le truc, ça s'est raté de que dalle, quoi. Faut arrêter un moment, quoi. Cette ruelle. Allez, on se dépêche, il me refait sa petite scène. Je le fais à chaque fois parce que je me dis que ça pourrait me rapporter un truc plus tard ou quoi, pas forcément, mais... C'est un petit peu chiant. C'est pas vrai. Roderick. Quand même un certain temps à chaque fois à le faire. Brûler ta maison. C'était la forge de mon père. C'est là que j'ai grandi. Allez, viens, on y va. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Je suis désolé pour toi, mais allez. Mais tu es encore là. Bon, je le referai pas la prochaine fois, si. Ils ne pourront jamais te les prendre. Si, je rate. Tu as raison. C'est un peu chiant. Tu vas voir, maman elle est gentille. On partira ensemble. Et on trouve... Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Roderick ! T'en fais pas pour moi, petit ! Ah, c'est un point frustrant, là, cette phase-là, parce que c'est vraiment gratos la façon dont ils le... dont ils te font rater ou pas, parce que disons que l'angle de tir quoi, on ne voit pas précisément, on peut pas regarder ça, c'est un peu chiant. Des soldats devant nous. Amicia, ils sont pour toi. Il faudrait que j'y arrive cette fois quand même, c'est bien. Ici, je ça ne va crois un peu bien. Pas. Je te suis. Bon. Allez, go. Dépêche-toi. On m'aura fait des trois fois quand même. Go, vas-y. À toi. Désolé. Surtout que t'étais bien utile quoi en termes de gameplay, c'est dommage. Désolé.
Hugo. Viens, il faut partir. Un peu gratuitement tire l'arme cette scène-là, je suis pas sûr que le faire disparaître aurait été nécessaire, même si peut-être que par la suite le gameplay aurait été trop simple avec lui, je ne sais pas. Alors je reviens dans un instant. C'est pas vrai, c'est pas possible. Non, en fait c'est bon. Il y a un truc à chauffer, mais ça peut encore attendre 5-10 minutes. Je vais leur faire payer. On doit d'abord rester en vie et grouper. Alors allons-y. Allez. C'est pour ça que Roderick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille. Elle a raison, Mélie. Oh, ma Roderick. Roderick. C'est fini, Hugo. Il se repose maintenant. J'en peux plus de Sera. Sharon, dégagez de là. Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. C'est meilleur, gamin. Ah bah écoute, wow. Hein. Hugo, dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord, marche est conclue. Ah, il y en a encore des soldats dans le coin là. Oh là là, oui, il y en a encore eu comment. Mais moi, je pensais qu'on pouvait les machiner en fait, non? Je peux faire quoi que ce soit, pas sûr. Nope. On va te faire bouffer. Par contre, pas les gages de là. Hop, alors, tac, allons-y. Ok, là-bas, ce sont des archers, c'est ça? Ah, il n'y a pas que des archers. Non, non, les gars, vous n'avez rien vu. Ok, il vaudrait peut-être mieux que je passe par un autre côté.
vraiment chiant. C'était chaud. Hein. Ah ouais, ok, moi il me laisse passer. Ah bah ça c'est plutôt cool alors. En effet. Merci. Récupérer de particulier là, non? Ok, alors allons-y. On y est. Vitalis, Amicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise? Tu penses? Un genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non? Ah. Il va commencer. Allons-y, Hugo. Oui, c'est pas terrible d'être... Oh merde. Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que des enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Ok, allons-y, entrons. Bien, ouais, je... Bon, est-ce que ça signerait pas la fin du chapitre? Peut-être pas encore. Tu parles d'une famille? Mélie! Aidez-moi, plus personne ne doit entrer. Non, je pense que le chapitre n'est pas encore terminé. Ouh, les petites pertes de framerate là. Tout ça ne vous mènera nulle part. Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman. Mon enfant. Hugo. Amicia. Mère. C'est Vitalis qui a fait ça. Il les a sacrifiés. Eh ben. Il a passé le seuil. Fuyez. Sortez d'ici. Ah, pour l'amour du ciel. C'est un autre boss, du coup. Si l'on veut. Hugo. Tu es prêt? Oui. Ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Ok. Hugo, ton pouvoir,
Je vais bien, t'inquiète pas. Mais où est mon père Fritz? Ouais, je pense que lui a le même problème. C'est un élève doué. Dommage qu'il ait enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, le vieux! On est venu fêter, pas écouter tes discours. Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des brebis égarés vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Pourquoi il ne balance pas un truc à la fronde d'un seul coup? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges. Les anges. Ah, ok, donc lui maîtrise cela. Donc là, les expérimentations, c'était pour que lui, il ait une armée à lui spécifique, qu'il soit pas les... Rassemblez-vous et avancez! Qu'est-ce que... Ils les regroupent! Ils ne s'arrêtent pas! La lumière ne les arrête pas! Moi aussi, je peux faire ça! Vraiment? On doit essayer! C'est notre seule chance! Quoi? Oh putain, merde, ok. Génial. Je suis allé trop vite. Regroupez-vous donc et déferlez sur eux. Ils les regroupent. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre vie. Laissez-les! Ce sont des enfants! Oh! Ce sont les reliques de l'ancien. Arrêtez ça! Ah, oh, c'est chiant. Je sais pas ce que je dois faire en fait, si je dois éliminer la lumière ou plutôt... Vous êtes venu me défier. Qu'est-ce que... Moi. Ils les regroupent. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Alors, moi aussi, je peux faire ça. Vraiment. On est par là. On doit essayer. C'est notre seule chance. Oui. Bravo, Hugo. On va lui montrer. Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre vie. Laissez-les! Ce sont des enfants! Oh! Ce sont les reliques de l'ancien. Arrêtez ça! Ah oui, c'est les... Ah, tu peux t'arrêter. Hugo, tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur. Le vrai pouvoir. Le don de soi. Je suis l'unité. Je suis le sang des sangs. Qui
relie tous les peuples. Reculez. Restez avec nous. Tournez. Redevenez un. Ok. Et mes serviteurs célébreront vers le firmament. Revenez. Mec, tu vas pas bien. Ne formons plus qu'un. À toi, Hugo. Quoi? What? Ok. Pas bien compris ce qui s'est passé, mais... Quoi? Mais attends, mais... Ah, merde, je crois pas que j'aille là où il y a trop de rats blancs, mais c'est chaud, du coup. Comment je suis supposé faire pour les éviter les rats blancs. Au moins ça garde à chacune des phases ou pas? Non, rien du tout. Ok, génial. Et mes serviteurs célébreront vers le firmament. Ce n'est pas fini. Je vais les attirer sur les côtés. Des flots d'anges s'abattront sur la vieille chaîne. Soulevez-vous et frappez avec moi. Revenez. Revenez vers votre maître. C'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Encore bon, c'est bon. Comment oses-tu? C'est ton dernier affront. J'ai sacrifié ma chair pour devenir le creuset où tout s'unit. Qu'est-ce qu'il fait? Recommence à chaque fois du début, c'est chiant quand même. Courez! Redevenez un! Éloignez-toi!
Ouais, c'est un peu chiant de voir comment recommencer à chaque fois. Célébrons vers le firmament. Hugo, envoie tes rats. Tout à vous. C'est une blague? Ah non, putain. Non! 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 C'est impossible! Tu vas payer pour ça! Venez à moi! Venez nourrir le premier sang! Dans la certitude! Reste pas là, Amicia! Sa mère. Ah, c'est un peu longueur pour le coup. Sérieux, mais je peux pas quoi. Ça prend toute la place quoi.
Putain, c'est chiant. Il devrait pas faire comme ça en fait. Pas faire aussi long quoi. C'est un peu pourri. Ouais, c'est un peu répétitif ça là pour le coup. Bon, après, c'est rare que dans les jeux comme ça les boss soient réussis, donc là, c'est, ça fait pas exception. Oui, bien sûr. Ah non, putain, débile, j'ai oublié. Putain. Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament. Soulevez-vous et frappez avec rage. Les anges. Hugo, envoie tes rats. Vous vous nourrirez. C'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Éloigne-toi. Parce que je suis encore, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Mais... Ne me laissez Alicia, pas. Il est sans défense. J'espère que ça va marcher après. Pour devenir le creuset où tout s'unit. Go. Amicia, c'est maintenant. Je peux pas faire mieux. Hein. Ok. Un peu poussif hein, ce boss pour le coup. Hein.
Bon, voilà. Bon, je referai une petite vidéo pour dire mon avis directement. Et c'était très cool. Voilà, je pensais qu'il y aurait un chapitre de plus, en fait. La fin me convainc moyennement, mais sinon, c'était cool. Voilà, voilà. Allez, ciao. Ah si, il y a un autre chapitre, bah, je le ferai la prochaine fois. Ciao.